La famille, encore merci. Merci infiniment aux sentinelles pour vos prières. Merci, 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 merci à tous ceux qui prient pour moi. Même à ceux que je ne connais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a qui nous regardent, qui ne sont pas forcément actifs sur nos réseaux. Pour des raisons de confidentialité, préfèrent rester dans l'ombre, mais apprécient ce que nous faisons. Je sais qu'ils sont nombreux, toutes ces personnes-là qui nous regardent à distance, qui apprécient le combat que nous menons pour la libération de l'Afrique et de notre pays, le Gabon en particulier. Toutes ces personnes qui de loin prient, merci infiniment à vous. Des activistes qui n'ont un combat à mener, le combat véritable de la liberté du Gabon, c'est le combat de la France-Afrique. On veut les accords coloniaux de la France avec le Gabon soient mis à nu. Tout à fait, tout à fait. Et nous allons parler de cette corruption. Ces activistes, en fait, ces pseudo-activistes, ces militants du ventre, nous allons en parler. Parce que vous savez, j'ai été beaucoup combattu, parce que je combattais la corruption au sein de notre résistance. J'ai été combattu, et les gens qui m'ont combattu aujourd'hui font des directs pour dénoncer les corrompus, les activistes corrompus. Et ça, ça me fait marrer. Ils ont sali mon nom, on m'a dit que voilà, au moins la Winche. Pour lui, tous les activistes sont corrompus. C'est lui qui se prend pour le meilleur activiste. C'était des raccourcis que ces personnes prenaient quand je dénonçais la corruption au sein de notre mouvement de libération. Et je peux vous sortir les vidéos de ces personnes, c'est encore là sur Facebook. Ils faisaient des lives, des heures et des heures de lives. Pour dénoncer au moins la unité, pour attaquer au moins la unité, parce qu'il fallait, en fait me salir auprès de l'opinion. Il fallait que les Gabonais ne puissent pas me suivre, ne puissent pas m'entendre, ne puissent pas comprendre en réalité ce que je dénonçais. Mais comme le temps, l'autre nom de Dieu est mon allié, aujourd'hui ils se mettent à dénoncer ce que moi je dénonçais depuis 2016-2017. Voilà pourquoi je dis que j'ai de l'avance sur eux. Ce n'est pas de la prétention, c'est une réalité. Parce que les choses que moi j'ai dénoncées depuis 2016-2017, c'est en 2024 que certains viennent dénoncer, viennent en parler. Alors donc je vous disais à la famille que je tenais à faire le direct depuis la semaine dernière lorsque les jeunes qui ont passé le concours de la police se plaignaient du népotisme, de la fraude et autres. Je tenais à faire une sortie pour parler encore de la nécessité de combattre le système, pour éclairer les Gabonais sur la manière dont procède le système. Les objectifs du système Bongo PDG.
Merci la famille de partager. Nous ne sommes qu'à 57 partages, c'est anormal. Si chacun fait ou effectue 10 partages, 10 partages, on peut atteindre les 500 partages. Et il va falloir qu'on se mobilise aussi pour dénoncer la cherté de la vie. La vie devient de plus en plus chère au Gabon. Nous ne pouvons pas nous taire, rester les bras croisés. Il faut qu'on se mobilise pour la cherté de la vie. Souvent dans mes lives ici, j'ai des frangins qui maîtrisent bien, qui savent faire les montages, les images là. Parce qu'on doit lancer la campagne. Nous sommes au mois de mars, d'ici avant la fin du mois. On doit appeler à la mobilisation, à des actions fortes pour dénoncer la cherté de la vie. Il faut qu'on se mobilise pour ce sujet-là. Bolo, Steve, Abbès, on partage la famille, on met des cœurs et des pouces, on partage. Nous sommes à 138 partages. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est jour de veillée de prière. C'est le week-end. Permettez-moi d'effectuer quelques partages là, la famille, s'il vous plaît. Je vais envoyer à mes soldats sur WhatsApp. Ok. Bolo Lucas. Voilà. Maxi dit, à Port-Gentil, c'est difficile de manger, les prix augmentent tous les jours. Les prix augmentent tous les jours et tout le monde regarde. Il n'y a personne, personne ne se mobilise. La dernière fois, les Port-Gentilais se sont levés pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité. C'était très bien. Mais faites la même chose pour la cherté de la vie.
nous avons décidé de combattre le franc CFA. Le franc CFA qui est à l'origine de l'inflation, de la cherté de la vie dans notre pays. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre propre monnaie. C'est le colon qui nous impose la monnaie. Nous avons décidé de combattre le franc CFA. Oligui Nguema dit qu'il ne veut pas entendre parler de combat contre le franc CFA, de combat contre la France, contre les bases militaires, contre les contrats coloniaux. Oligui ne veut pas en entendre parler. On nous dit que le Gabon est libre. Le Gabon est libre, mais les Gabonais sont toujours enchaînés par cette monnaie d'assujettissement qu'est le franc CFA. On nous dit que nous avons des économistes au Gabon, on met ce mouissi. Des gens qui sont incapables d'expliquer aux populations gabonaises la nécessité d'avoir sa propre monnaie. Mais ils sont considérés comme des érudits de l'économie au Gabon. Quand nous avons dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, nous avons des économistes qui combattent le franc CFA, qui se battent avec leurs dirigeants pour la souveraineté monétaire de leur pays. Chez nous au Gabon, parce qu'on a quelqu'un qui vient à la télévision pour dire oui, 45 promesses, 13 réalisations, ben voilà, c'est un super économiste. Première mesure, c'est la réduction de la taxe sur la cigarette. Première mesure forte du ministre de l'économie. Et on applaudit. Bravo. Ils nous ont dit que le Gabon est libre. Quand vous regardez le pays aujourd'hui, le Gabon a été libéré de quoi en réalité? De quoi? De quoi avons-nous été libérés? La vie est de plus en plus chère depuis le 30 août dernier. Que se passe-t-il? Il y a toujours des Gabonais qui s'interrogent à ce sujet, et c'est très bien. Brice Emar dit « Bonsoir petit frère, j'ai un grand problème. À qui profite la mort de Ali depuis 2018? Pourquoi le CTRI ne dit pas la vérité aux populations gabonaises ?» Ben, j'ai vu quelques abrutis ici et là dire que oui, mais finalement, les gens ne parlent plus de la mort d'Ali Bongo. Voilà, ceux qui disaient qu'Ali Bongo était mort. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Je le dis toujours. C'est pour ça qu'ils ont enlevé, le sosie du pouvoir. C'est pourquoi on ne puisse plus en parler. Mais tôt ou tard, cette affaire-là ressortira. Tôt ou tard. S'il était toujours au pouvoir, j'en parlerai. Mais ils ont enlevé le sosie. C'est pourquoi on ne puisse plus en parler. À quoi servirait-il qu'on puisse encore en parler? Mais tôt ou tard, cette affaire-là sortit. Tôt ou tard. Ils ont fait leur simulacre de coup d'État pour que nous ne puissions plus parler du sosie. Et je l'avais déjà dit, pour ceux qui me suivent, depuis plus d'un an, depuis, j'avais dit qu'ils vont amener le faux Ali Bongo aux élections, et après ils vont l'enlever. Ils vont faire un simulacre de coup d'État, oui, voilà, où ils vont peut-être passer le pouvoir à un autre PDG. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi voulez-vous que le CTRI puisse en parler? Ils sont tous de connivence. Ils sont tous de connivence. Le CTRI, c'est le PDG. Le CTRI, c'est la branche armée du PDG. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent en parler? Ils peuvent pas en parler. Posez-vous d'abord la simple question. Pourquoi Marie-Madeleine Bourassa est en liberté? Avant même de parler de l'affaire du sosie, Marie-Madeleine Bourassa est en liberté. Pourquoi? Si c'était un vrai coup d'État, Bourassa sera en prison. Billy Binze sera en prison. Tous ces gens-là seront en prison. Ils créent des faux comptes là, ils viennent sur mes pages. Oui, mais tu ne parles plus de la mort d'Ali Bongo, tout ça. Parce qu'ils avaient peur de ça. Quand j'en parlais, ils avaient peur, ça faisait peur.
Et ils ont fait leur simulacre de coup d'État pour que nous ne puissions plus en parler. Tout ce qui s'est passé pendant les élections, tous ces gens-là étaient de connivence. Tous, ce sont des francs-maçons. Parce que si l'affaire l'a pété, le système allait tomber. Donc il fallait protéger les activistes là. Nous allons en parler de ces activistes corrompus. Des activistes qui ont reçu des millions et des millions. Vous avez vu qu'ils étaient nombreux au début à en parler. Après, ils ont décidé de changer. Moi, j'ai parlé avec des faits. Je vous ai dit avant les élections que vous ne verrez pas celui qu'on présente comme étant Ali Bongo aux élections, parler lors des débats électoraux. Vous avez vu un seul passage à la télévision de celui qu'on vous a présenté comme étant Ali Bongo. J'ai fait des lives ici, j'ai dit, je mets mon bras coupé. Si celui qu'on montre comme étant Ali Bongo vient parler à la télévision, vous avez vu les débats télévisés, vous les avez vus? Ils ont d'abord fait 50 minutes pour convaincre, après ils ont changé le nom de l'émission, les candidats sont passés. Vous avez vu celui qu'on vous a présenté comme étant Ali Bongo, là, vous l'avez vu venir parler? Qui l'a vu venir parler? J'ai dit ici, depuis octobre 2018, donnez-moi le nom d'un seul journaliste gabonais qui a interviewé celui qu'on vous présentait comme étant Ali Bongo. Donnez-moi un seul. Le nom d'un seul journaliste gabonais qui a interviewé celui qu'on présente comme étant Ali Bongo. Depuis le 24 octobre 2018, donnez-moi le nom d'un seul journaliste gabonais. Montrez-moi l'interview. Cette conspiration contre le Gabon a été orchestrée par les États-Unis, par les grandes puissances occidentales, par la France, par les réseaux de la franc-maçonnerie. Et j'ai été combattu par les activistes du ventre, les activistes du système. Il fallait protéger le système. Une seule interview, montrez-moi. Une seule interview. Que je me taise à jamais. Du 24 octobre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Rien. Silence. Ce mensonge est entretenu. Maintenant, nous autres là, quand on parle, qui va nous écouter? Ils ont façonné leurs activistes. Ils ont fabriqué leurs activistes à qui on a donné beaucoup plus de crédibilité. Nous là, quand on parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il n'y a personne qui nous écoute. Et puis nous sommes peu à en parler. Si nous étions nombreux à dénoncer ce mensonge d'État, je vous dis que ce système-là serait tombé depuis. Depuis 2018-2019, ces gens-là seraient tombés. On nous a créé à chaque fois des grosses manipulations des masses pour nous détourner de cette affaire. On nous a emmenés aux élections avec un Ali Bongo inexistant. Inexistant. Il y a des questions simples à se poser. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi la rencontre entre Brice Farjon et la terroriste française Sylvia Bongo? Pourquoi leurs échanges, là, ils ont fait ça en privé? Pourquoi les procès toujours en privé, en catimini? Ouvrez les procès au public. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui sortiront, qui feront trembler la République. Nous sommes manipulés. Manipulés. Et on l'a vu, j'ai fait des démonstrations sur démonstrations. En 2018, je vous ai montré des vidéos. La vidéo, on montre Manga Moussavou avec le feu, Issozen Gondé et Marie-Madeleine Boronso. On nous montrait Ali Bongo qui est assis. Je vous ai démontré que c'était un hologramme. J'ai passé des nuits blanches pendant des années à démontrer que nous sommes la victime d'un complot d'État. Eux-mêmes, leur élément Charlie Chaplin, lors du 12 mars, il est venu dire, lors du 12 mars, on a entendu, oh non, je n'étais pas là depuis 5 ans. Mais s'il n'était pas là depuis 5 ans, qui dirigeait le Conseil supérieur de la magistrature? Qui nommait les ministres? Qui présidait le Conseil des ministres? Ça veut dire que nous étions en plein dans un complot d'État et ça ne s'est pas arrêté là. Et tous ces gens-là étaient complices. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo de Jean Ping. En Kembo, Jean Ping dit bien que c'est un sosie, Jean Ping. Jean Yegendon lui-même, avant de repartir à la soupe, lui-même Jean Yegendon disait que c'était un sosie, c'était un amitié. Ces gens-là qui étaient au sommet de l'État. Dès qu'ils parlaient, allez, on venait leur donner les mallettes, après c'est fini, fermer la bouche. Je suis resté seul constant, parce que je n'ai aucun intérêt dans le système, parce que je ne suis pas corruptible, je ne trempe pas devant l'argent. Parce que pour moi, l'argent n'est que vanité.
Et ce combat est beaucoup plus grand que ma petite personne, que mes désirs personnels. Donc c'est à vous de faire du bruit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parfois sur WhatsApp, mais moi, la Vinci, plus personne ne parle de l'affaire de la mort d'Ali Bongo, nous on sait que ce n'est pas Ali Bongo. Beaucoup de Gabonais m'écrivent. Mais vous voulez que c'est moi seul qui puisse en parler? Vous avez beaucoup d'activistes qui sont là. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, les moqueries, les railleries, les machins, tout ça, parce que la vérité est toujours moquée, elle est salie, elle est isolée, elle est humiliée. J'ai été pratiquement le seul à en parler. Et il y en a même aujourd'hui qui se plaignent, qui se disent, mais ils n'en parlent plus. Pourquoi tu n'en parles plus? Ali Bongo n'est plus mort. Moi, je vous dis bien, Ali Bongo est mort. Il n'existe plus. Ils se sont servis juste du faux sosie, parce que Sylvia Bongo avait son plan, utiliser le faux Ali Bongo, parce qu'il y avait même beaucoup de sosies, si vous avez remarqué. Si je pense, Sylvia avait son sosie, Billy Binze avait le sien avec lequel il se baladait. Voilà, chacun avait le sien. Marie-Madeleine Borontou aussi avait pour elle. Voilà. Donc, ils ont utilisé ce faux Ali Bongo. Sylvia comptait faire son passage en force pour nous imposer son petit Marocain. Elle avait son sosie. La bande à Billy Binze aussi, parce que Billy Binze était avec Oligui Nguema et tous les autres. Eux aussi, ils avaient leur sosie. Donc voilà, les plus malins ont réussi le coup. Ils ont fait leur révolution de palais. Les Omariens sont de retour au pouvoir. Ils ont écarté la Young Team, mais ce sont toujours les PDGistes qui sont là au pouvoir. Donc, à qui profite cette affaire? Mais ça profite au système Bongo PDG, parce qu'il fallait sauver le système. Ils ont modifié l'article 13 de la Constitution, nuitamment, tard dans la nuit. Hein. Je me souviens, je pense que c'était en 2018, hein, fin 2018. Ils ont modifié l'article 13 de la Constitution pour sauver le système. Pour sauver le système. Après ça, il y a eu des remaniements ministériels et autres, tout ça, avec des faux décrets. Même Oligui Nguema aujourd'hui, que les Gabonais considèrent comme le Moïse, a bénéficié d'un faux décret, d'une fausse signature. Les Vuranjami ne sont arrivés qu'après. Nous avons été victimes d'un des plus grands complots de l'histoire de l'humanité. Mais tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard. Donc le simulacre de coup d'État du 30 août dernier avait pour but de sauver le système pour que ce scandale-là ne puisse pas exploser. Parce que beaucoup seraient allés en prison. Tous les membres du gouvernement Osuka, Billy Binze et autres seraient allés en prison. Les Julien Korebekal, tous ces gens-là seraient allés en prison. Donc il fallait sauver le système. Au-delà de leurs divergences d'opinion et tout, de leurs égos, ils ont décidé de s'unir pour sauver le système. Et même les opposants contrôlés et fabriqués, ayant des intérêts dans le système, ils ont tous décidé de sauver le système. C'est ce qui s'est passé le 30 août. On vous a vendu un faux coup d'État, et j'ai d'ailleurs alerté ici. J'avais déjà dit que voilà ce qui va se passer. La France nous vendra une fausse transition. Il y aura un simulacre de coup d'État. J'avais prévenu depuis. Dès que le général de division, Yves Ditengo, avait reçu une distinction à l'ambassade de France en février 2022, j'avais déjà alerté, j'ai dit, attention, la France fera un coup d'État au Gabon pour sauver ses intérêts. C'est ce qui s'est passé. J'ai vu des cancres dire que oui, la France n'était pas au courant de ce coup d'État. La France était obligée de s'aligner. Qui gère les renseignements au Gabon? C'est la France. La France sait tout. C'est la France qui gère le SILAM. C'est la France qui gère les écoutes au Gabon. La France sait tout. Tous savaient ce qui allait se passer, tous les opposants la savaient. Si vous écoutez bien le discours, je pense à Martine Oulabou du professeur Andossa, vous écoutez bien, il dit bien que même la GR, Sylvia Bongo, même la GR que vous croyez être avec vous n'est pas avec vous. Tous les gars savaient, c'était le game. Et je vous ai expliqué le game qui s'est passé. Je vous ai expliqué. J'ai regardé les élections là comme ça, j'ai dit, oh, c'est fort. Les gars sont forts. On crie là, Ondo, ça a gagné, machin. Oui, c'est vrai, il a gagné. Mais tous les gars, ils étaient ensemble. C'était le game.
Parce que je n'avais pas compris, j'ai dit, mais comment les gars-là peuvent se décider à choisir un candidat consensuel qui n'a aucune base politique, qui n'a pas fait de meeting, on choisit un candidat consensuel à la dernière minute, qui passait son temps à faire seulement des vidéos sur Facebook, qui n'est pas connu par le trois quarts des Gabonais. Je me suis posé la question, pourquoi? À la fin, j'ai fini par comprendre. S'ils auraient pris un candidat qui a une base politique, le coup d'État ne serait pas passé. Donc, il fallait en fait choisir un candidat consensuel que les Gabonais auraient voté par défaut. Le game. Je vous ai dit, la famille, je connais ce système comme si je l'avais fabriqué, comme si je l'avais conçu. Tous les gars-là étaient de connivence. Ce sont des francs-maçons, les gars. Et là, ceux qui ont fait le coup d'État, ce sont les Omariens. Vous regardez, tous les gars sont de retour aux affaires. Ginzumba Dama, Jacques Adiaino, qui est maintenant PC à la bicycle. Les gars, ils ont déjà les 75 ans, 80, 90 ans, ils sont de retour aux affaires. Tous les caciques, là, les éléments d'Omar Bongo, ils sont de retour aux affaires. Ce sont les Omariens qui sont là de retour, qui avaient été écartés par le sodomite Biafré Ali Bongo, le feu sodomite Biafré Ali. Les gars sont de retour aux affaires. Tous les caciques du système, ils sont là de retour. Ceux qui ont conçu le système. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que Ali même n'était pas un baron du système. Ali, c'était un enfant. Donc les gars-là connaissaient le système mieux que lui. Ali, il avait juste l'armée et puis il avait quelques petits agités là. Les Ali, Akbar, Onanga, tout ça. Mais ceux qui ont pensé, construit, bâti le système, ce sont les papas que vous voyez là, les Jacques Adia et non. Les gens qui sont toujours dans l'ombre, on ne parle pas beaucoup d'eux. Et ils sont dans l'ombre. Ce sont ces gars-là qui ont conçu le système. Ils connaissent le système par cœur. Des gens comme Jean-Michel Essangué. Ces gars-là sont là, ils sont de retour aux affaires. Ceux qui n'ont plus assez de force, placent leurs enfants. Regardez les nominations. Ce sont les mêmes personnes qui sont de retour. Le 30 août, j'ai essayé d'alerter, mais... Frère, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont réussi à abrutir le peuple, ils ont réussi à zombifier les Gabonais. Les Gabonais sont sans conscience politique. Quand des personnes qui ont compris comment fonctionne le système essaient d'éclairer les Gabonais, nous devenons les ennemis des Gabonais. Le 30 août, j'ai alerté, j'ai dit non, c'est pas bon. Dès que j'ai même vu le nom de Lydie, j'ai dit c'est pas bon. Mais, frère, ils étaient dans la rue, ils étaient contents. Oh, le pays est libéré. Oh, le pays est libéré. Dès les premières nominations seulement, un Gabonais éclairé, qui connaît la politique gabonaise, aurait déjà compris que là, c'est pas bon. Dès les premières nominations, quand tu vois Rosa Tangarino, tu vois les premières nominations d'Oligui, de l'imposteur Oligui, Rosa Tangarino, un baron de la franc-maçonnerie, un pédégiste, un bongoïste devant l'éternel. Quand tu vois les premières nominations, tu comprends tout de suite que là, on nous a baisés. Et ceux qui ne connaissent rien des personnalités politiques, qui ne connaissent rien de cette politique, sont venus pour nous insulter. Ils signalaient même les pages de ceux qui disaient que c'était un simulacre de coup d'État. Ils ont préféré écouter des kounabellistes comme les Stéphane Zeng, les Fumbula et autres qui ne pensaient qu'à leur petite personne, qui ne pensaient qu'aux nominations. Ils ne pensaient qu'aux nominations, à leur nomination, à leur ventre. La chute du système, ce n'est pas leur priorité. La libération du Gabon n'a jamais été leur priorité. Et ce sont ces gens-là qui ont égaré le peuple. Ce sont ces gens-là qui ont poussé le peuple à attaquer les défenseurs du peuple. Les leaders d'opinion, les activistes, les leaders de la société civile auraient d'abord observé, auraient attendu les premières nominations pour se prononcer. Mais dès le premier jour, allez, ils ont commencé à manipuler les Gabonais. Manipuler les Gabonais, qu'est-ce qu'on observe? On observe les mêmes choses. Le clientélisme, la corruption.
Le népotisme, les injustices sociales, les crimes rituels sont de retour, les enlèvements. Les mêmes choses. Les mêmes noms sont là. Les personnes responsables de la déchéance de notre pays sont toujours à la tête du pays. Ils sont toujours là. On a juste enlevé quelques noms et c'est tout. Ils ont réussi, à travers leurs activistes kounabellistes, à faire croire aux Gabonais que les maux du Gabon, les seuls responsables des malheurs du Gabon, depuis l'arrivée au pouvoir de la nébuleuse Bongo PDG, c'était Voranjami, Yanungulu, Noureddine, Sylvia, et puis voilà, quelques petits têtards de la Young Team, les Océni, voilà. Ils ont réussi à faire croire, à travers leurs médias de propagande et leurs activistes financiers. Ils ont réussi à nous faire croire ça. Que les seuls responsables des malheurs du Gabon, ce sont les petits de la Young Team qui sont arrivés en 2022. Parce qu'il y a d'abord eu les Omariens, ensuite il y a eu les Alistes, ensuite il y a eu la bande du tocard Mexan Akrombessi, après Akrombessi il y a eu la bande Abla. Après la bande Abla, maintenant, il y a eu les petits de la Young Team. Les Blancs ont pris le contrôle, on va dire quoi, après le décès du sodomite Ali Bongo Ariane, jusqu'en 2020. Après, les petits de la Young Team là sont venus prendre. Donc, ce sont ces petits-là qui sont responsables des malheurs du Gabon depuis le 2 décembre 1967. Ils ont réussi à faire croire ça aux Gabonais. Les Gabonais ont été manipulés. Et grâce aux leaders d'opinion, à ces activistes corrompus, les PDGistes ont réussi à asseoir leur pouvoir après leur simulacre de coup d'État. Donc on est dans la continuité du système Bongo PDG. Vlad dit qu'ils avaient méprisé les alertes des panafricains. Voilà. Non, ils n'ont pas méprisé. Ils ont attaqué sciemment. Ils ont attaqué. Parce qu'ils savaient que les alertes de nos frères panafricains auraient interpellé les consciences collectives. Si tous les activistes, par exemple gabonais, auraient écouté les frères panafricains et qu'on aurait parlé un même langage, le coup d'État ne passait pas. Ils ne passaient pas, donc les gars, ils étaient sur la défensive. Ils ont utilisé la xénophobie en disant, oui, ce sont des affaires du Gabon, vous n'avez pas le droit de venir parler des affaires du Gabon. Mais beaucoup de Gabonais naïfs n'ont pas compris, en fait, que c'était les PDGistes qui étaient derrière ça. Les PDGistes qui étaient derrière ça. Et le Toto Balekon, chef qui aime le buzz aussi, allez, il a profité de ça. Pour faire ces lives et tout, ouais, les panafricains, machin, finalement après c'est pour dire les panafricains ont raison. Ils ne savaient pas ce qui est en train de se jouer là. C'est l'avenir de notre pays qui s'est joué là le 30 août. On a des frères qui vivent de la politique, qui ne parlent que de politique tous les jours. Qui connaissent la politique africaine, qui connaissent comment fonctionne la France-Afrique. Des frères qui ont toujours été là à chaque fois que nous avons eu des mouvements. Ils lancent les alertes pour dire attention frères du Gabon, attention c'est la France qui est derrière.
Et puis on a des gens, parce qu'ils veulent toujours faire du buzz, ils veulent profiter de tout pour faire du buzz, pour avoir des likes, parce qu'ils ont des pages monétisées, mais ils jouent avec n'importe quel sujet. C'est pour quelques jours après venir dire que je vous avais bien dit, j'avais raison, vous me donnerez raison. Quand les frères panafricains sont venus pour dire que ce n'est pas bon, tu t'es levé, sachant que tu as un pouvoir sur la jeunesse, tu te lèves pour faire le direct, pour attaquer les frères panafricains, c'est pour venir dire après, vous me donnerez raison. Ils n'ont pas insulté que Franklin Yamsi, ils ont insulté tout le monde. Ils ont insulté les Kemi Seba, ils ont insulté Nathalie Yom et Gunchi Beyanzin, tous les frères panafricains. Tous les frères panafricains qui se sont levés pour dire que attention, attention. Attention les frères, ce qui se passe au Gabon là, c'est la France qui est derrière. Des gens qui n'y connaissent rien en politique, qui sont spécialisés dans les sextapes, à parler des débats de créoles et autres. Il y a un sujet aussi sérieux. Mais voilà, ils prennent leur téléphone. Je recevais des messages tous les jours des frères panafricains qui me disaient que mes frères, qu'est-ce qu'il y a? On parle un peu du Gabon, vos frères viennent nous insulter. Donc c'est ça le Gabon, tout ça. J'ai dit moi-même qui suis gabonais, moi-même on m'insulte mon frère. Moi-même. J'ai dû bloquer les commentaires sur ma page pour que les maudits là ne viennent pas commenter mes publications. J'ai dit moi-même on m'insulte frère. Parce que ce peuple est malade. Et les mêmes maintenant sont en train de pleurer. Les mêmes là qui nous insultaient le 30 août là, en septembre, qui étaient contents, qui pensaient qu'ils étaient libres. Les mêmes maboules qui faisaient les vidéos pour dire « Oligui, reste même 50 ans encore au pouvoir. » Les mêmes sont en train de pleurer. Les mêmes se plaignent des coupures d'eau, d'électricité. Ils se plaignent de la cherté de la vie. Ils se plaignent parce qu'ils ont un parent assassiné par des militaires, sans qu'il n'y ait justice. Ils se plaignent parce qu'ils sont déguerpis. Les mêmes sont en train de se plaindre. Je leur ai dit, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Omar Bongo est parti, le système est resté. Ali n'est plus, le système est encore là. C'est le système que nous devons combattre. Pas les individus du système, le système. Nous devons le combattre et le détruire. Mais nous ne pourrons pas détruire ce système tant que nous aurons au sein de notre mouvement de libération des corrompus. Et là, je vais parler de ces activistes. Je vous disais au début du direct que la famille, des années durant, j'ai combattu la corruption au sein de la résistance gabonaise. Parce que j'ai toujours eu conscience qu'aucune lutte de libération ne peut aboutir si au sein des organisations de libération il y a des corrompus. La lutte ne pourra jamais aboutir. Et parce que j'ai toujours combattu le système, j'ai combattu la corruption au sein de la résistance. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Des injures. Des gens faisaient des directs. Oh, moi la Winch est ceci. Oh, moi la Winch est cela. Oh, il est toujours seul. Il se prend pour le meilleur combattant. Il ne veut pas se mettre avec les autres. Pour lui, tout le monde est vendu. Pour lui, tout le monde est corrompu. Les mêmes maboules qui faisaient les lives pour dire ça. Je les vois faire les lives là. Il y a un qui est venu me voir, je pense, en 2020. Oh, bonjour, moi la Vinci, oui, comment ça va? Je viens d'arriver dans le combat. Comme toi, tu es un ancien dans la lutte, j'ai besoin que tu puisses m'orienter. J'ai dit au frère, ah bon, moi je suis un électron libre. Parce que je sais comment fonctionne cette résistance. Ce combat-là, il y a beaucoup de gens qui sont corrompus, il y a des personnes très dangereuses. Il faut faire attention, il y a beaucoup des pions du système. Il y a des pions de la France, il y a des activistes gabonais qui travaillent pour la DGSU. Pour les services de renseignement français.
Il y a des activistes gabonais qui travaillent pour, pour le système. Ce sont des infiltrés, des espions. J'ai donné des conseils aux frères. Quand le frère a commencé à gagner un peu en visibilité, il a décidé de faire les lives, il fait les lives tous les jours pour attaquer au moins la Vinci. Oh, voilà. Oh, il m'avait dit que pour lui, voilà, tel c'est des vendus. Tous c'est des vendus. Les autres sont des vendus. C'est seulement lui qui est bien. Raccourci. Nous sommes en 2024. Le même mouton vient faire des lives pour dire que voilà les gamers, les gamers. Ce que je le dis, frangin, attention. J'étais au pays, je marchais seul. Mes compagnons de lutte, c'était mes frères. Ma famille directe. Je n'étais pas dans les organisations des jeunes. On va se retrouver parce qu'on mène le même combat. Je connais les Gabonais, je connais trop les Gabonais. Il y a beaucoup là qui voulaient que j'aille les rencontrer. On va laisser en contact à tel endroit, je ne partais pas. Sinon, depuis, je serais mort. Depuis, ils m'auraient empoisonné. Donc, j'ai donné les conseils à un frère qui est venu humblement me voir, à un aîné en plus. J'ai dit, ah frère, attention, ce combat-là, il y a beaucoup de vendus, il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup d'espions. Attention. Tous ceux qui font des vidéos là pour dire oh, le système ceci, le système cela, attention. Beaucoup sont des infiltrés. Quand vous voyez des activistes, des combattants au pays qui parlent beaucoup, jamais qu'on arrête, jamais qu'on interpelle, posez-vous des questions. J'ai donné les conseils au frère. Le frère allait faire les lives. Tous les jours, il faisait des lives. Oh, mon ami, je les vois maintenant là depuis plusieurs jours. On me tague sur les directs. Tous les jours, sur les directs, on me tague. Ils sont maintenant en train, d'eux-mêmes là-bas, en train de se dénoncer. Eux-mêmes, ils sont en train de se dénoncer. Donc, mon ami, j'étais là quand ils sont allés s'asseoir chez Océni, ils sont allés s'asseoir sur Océni. Ils sont eux-mêmes venus parler. L'autre Toto, là, Bitom, oh, il a reçu des voitures. J'avais dit ici que le gars là que vous avez vu, Bitom, là, allait faire le cinéma avec le sosie là. Il a été payé pour ça. J'ai dit ça aux gens ici. Lui-même, il a fait l'audio, lui-même, seul. Il a fait l'audio pour parler, non? Il avait été payé pour ça. On nous a fait croire qu'on l'a trouvé par hasard à la route et puis la voiture est passée. Lui-même seul, il a fait l'audio pour parler. Il a reçu plusieurs véhicules. Il a dit que le temps est mon allié. Vous voulez qu'on aille où avec des gens comme ça? Quel combat peut aboutir avec des gens comme ça? Pendant que nous, là, on se battait pour que le pays là soit libre. Je vous dis qu'il y a des lives où vous suiviez, vous voyez quelqu'un activiste en train de faire un live pour dénoncer tel ministre, tout ça là. C'est des trucs financés. Un autre ministre a envoyé peut-être 5 ou 10 millions western pour éteindre un autre ministre. Donc les gars, en fait, c'est devenu un business pour eux. C'est devenu un business. C'est ce que je dénonçais. Parce que j'ai donné de ma vie pour ce combat. Il y a des frères qui sont morts, d'autres encore qui sont emprisonnés. Nous sommes nombreux à souffrir à cause du combat pour la libération du Gabon. Et pendant ce temps, il y en a qui jouent avec la lutte. Nous pouvions également, nous pouvons faire pareil. Mais par respect pour nos martyrs, par respect pour tous ceux qui souffrent de la situation de notre pays. Nous avons décidé d'être intègres. Mais il y en a qui se servent de la lutte et depuis toujours. Et ils continuent, ça continue toujours. Ils font du chantage au pouvoir. Il y en a, vous pensez que c'est le combat qu'ils sont en train de mener alors que c'est une sorte de chantage. Ils utilisent, ils instrumentalisent notre lutte pour se faire voir, pour se vendre au pouvoir.
Vous voyez, là, il y en a beaucoup qui se lèvent là maintenant pour dire oui, j'étais dans la lutte depuis, je mérite une nomination, je mérite aussi l'argent, je mérite. Non. À aucun moment le combattant, le patriote pense ainsi. À aucun moment. À aucun moment. On ne mène pas le combat pour avoir la reconnaissance. Mais la patrie nous sera forcément reconnaissante. Mais nous ne menons pas la lutte pour avoir des nominations. Celui qui mène la lutte pour une nomination ne mène pas la lutte pour le pays, pour la patrie, mais pour ses intérêts personnels. Ça, ce n'est pas notre combat. Vous utilisez notre combat, vous ne menez pas le combat. Vous instrumentalisez notre lutte. Il y a des grands combattants dans notre pays qui ne sont pas forcément connus parce que le combat ne se limite pas aux réseaux sociaux. Des grands combattants de notre pays, la patrie leur sera reconnaissante. Mais ces combattants-là ne se lèvent pas pour dire qu'ils veulent. Ils veulent avoir. Ils veulent recevoir une nomination. Après, s'il y a des combattants qui ont des compétences, qui méritent d'être nommés, ben, c'est tout à fait normal. Ces personnes-là seront nommées. Mais le combattant n'a pas à attendre une récompense. Parce que la patrie, c'est notre mère. Nous avons le devoir, l'obligeance de défendre la patrie. Et notre pays est en danger. Notre pays est en otage. Nous avons le devoir de défendre le pays, défendre la mère patrie, notre matrie. C'est un devoir. Nous n'avons pas à demander à la matrie de nous donner une récompense pour la défendre. C'est un devoir. Mais nous avons beaucoup de commerçants, beaucoup de combattants commerçants, d'activistes commerçants, des militants du ventre. Ils font du militantisme du ventre, ils se disent activistes. Ils ternissent l'image des activistes gabonais. Parce qu'aujourd'hui, je lis là sur les réseaux sociaux, à cause de ces cancres-là, cupides. Allez, on mélange tout le monde. Heureusement qu'il y en a qui connaissent qui est qui. Les vrais patriotes du Gabon savent. Quand je me balade un peu sur la toile, oh, les activistes là, oh, c'est des corrompus, oh, c'est fini, c'est l'image. C'est ce que je ne voulais pas, que je combattais depuis. Voilà pourquoi je combattais la corruption au sein de nos mouvements de liberté. C'était pour qu'on n'en arrive pas là. Aujourd'hui, les Gabonais considèrent les activistes comme des corrompus, comme des gameurs. C'était pour éviter ça que je combattais la corruption depuis longtemps. Maintenant, les totos sont en train de comprendre en 2024 ce que moi, la Vinci, dénonçait depuis 2016. Ils sont en train de comprendre ça maintenant, 8 ans plus tard. Lors des obsèques du grandissime Kwame Nkrumah à Conakry, le révolutionnaire le plus grand de tous, Amilcar Cabral, a parlé du cancer de la trahison. Le cancer de la trahison qui gangrène les mouvements de libération africains. Et moi, je parle du cancer de la corruption. Le cancer de la corruption. Il y a le cancer de la trahison qui fait mal à nos mouvements de libération. Il y a le cancer de la corruption. Tant qu'il y aura toujours et toujours la corruption dans nos mouvements de libération, mais jamais, jamais nous ne pourrons briser les chaînes de la servitude. Jamais. Tant qu'il y aura la corruption. Tant que les leaders seront toujours corrompus. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. C'est parce que nos leaders sont corrompus que les PDGistes ont réussi leur simulacre de coup d'État du 30 août 2023. C'est parce que les leaders sont corrompus, c'est grâce à la corruption que ce système kleptocrate a réussi à s'imposer à la tête du Gabon le 30 août 2023.
distribuant des bongo CFA devenus des oligui CFA, ils ont réussi leur complot contre le peuple gabonais. Et les Gabonais sont en train de revivre les mêmes choses sous l'usurpateur oligui. Les Gabonais vivent les mêmes choses qu'à l'époque du défunt Ali Bongo. Les mêmes choses. Rien n'a changé. Parce que le système est toujours là. Merci beaucoup, Magnoni. Tiens une bénédiction, bro. 6 ans que je te suis, toujours droit dans tes bottes. Et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Si je dois mourir malheureux, je mourrai. Et mon histoire servira de leçon aux générations futures. Il y a quelqu'un sorti de nulle part, que je ne connais peut-être pas, qui me suit peut-être depuis longtemps, et qui écrira, qui parlera de ce jeune Gabonais qui est resté intègre, n'a jamais fléchi, n'a jamais baissé les bras. Ça ne bougera pas. On ira jusqu'au bout de cette lutte. Si malheureux, je dois mourir en exil, je mourrai. Mais ce combat, nous le mènerons jusqu'au bout. Et j'ai l'intime conviction que la fin est proche. Les signes sont là, visibles pour ceux qui ont les yeux, pour ceux qui savent voir. Ils ont freiné notre entrée dans le Gabon nouveau, mais ils ne pourront pas arrêter. Nous sommes en plein dans le processus de libération de notre pays. Orlan dit, ces activistes corrompus ne parleront jamais des sujets comme les méfaits de l'usage du franc CFA pour maintenir les Gabonais dans l'ignorance. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes très peu. Il y a beaucoup de Gabonais qui en parlent, mais de ceux qui font des vidéos, je ne sais pas. Si nous avons au Gabon, nous avons, je ne sais pas, plusieurs activistes qui dénoncent le franc CFA, qui dénoncent les accords coloniaux. Les Gabonais ne savent pas ce que c'est. Si le coup d'État du 30 août aurait été un vrai coup d'État, je serais rentré au pays. Je serais rentré au pays, j'aurais fait le tour du pays pour parler aux populations de la nécessité de se défaire du franc CFA. J'aurais invité des frères africains, des économistes, pas des totos de TV5 qu'on nous a placés au ministère de l'économie au Gabon. J'aurais pris des frères panafricains économistes pour qu'on puisse ensemble édifier les populations sur la nécessité de se défaire du franc CFA. Lorsque la France, j'ai fait une publication ici il y a quelques jours, lorsque la France s'est défaite de l'Allemagne nazie, la France utilisait à l'époque une monnaie allemande. Mais la France a compris que pour se développer, il fallait qu'elle puisse réobtenir, parce qu'avant elle avait sa monnaie, il fallait qu'elle puisse réobtenir sa souveraineté monétaire. Et la France s'est défaite de cette monnaie nazie. Elle a frappé sa propre monnaie. Mais cette même France a utilisé la monnaie nazie, elle s'est servie en fait, elle a pris pour exemple la monnaie nazie allemande, que l'Allemagne lui a imposé, et puis elle est venue, elle a créé le franc CFA. Et depuis près d'un siècle, la France, l'État terroriste français, nous impose cette monnaie nazie qu'est le franc CFA. C'est une monnaie nazie, une monnaie de contrôle, une monnaie d'assujettissement. Nous devons combattre le franc CFA. Le Gabon ne pourra jamais connaître le développement tant qu'il n'aura pas sa souveraineté monétaire. J'ai pris des exemples ici, comme le Ghana. Le Ghana, après l'obtention de son indépendance, le Ghana a directement créé sa monnaie. Et c'est l'un des pays d'Afrique subsaharienne les plus développés. La France, une fois débarrassé de l'Allemagne nazie, a compris la nécessité d'avoir sa monnaie.
Et cette même France nous impose le franc CFA depuis plus de 70 ans. Nos leaders politiques n'en parlent pas. Notre élite intellectuelle n'en parle pas. Dans toute l'Afrique francophone, il y a des combats anti-franc CFA, sauf au Gabon. Il n'y a pas de combat anti-franc CFA au Gabon. Ajouté au franc CFA, nous avons des bases militaires de la France sur notre sol. Et le Gabonais, il est convaincu qu'il est libre. Il est convaincu qu'il est indépendant. Les maîtres sont toujours là, les contre-maîtres sont toujours là, sur le champ de coton, parce que notre pays est un enclos colonial, un champ d'esclaves. Et le maître est toujours là avec ses bases pour contrôler les esclaves. Vous avez combien d'activistes gabonais qui vous en parlent? Combien d'hommes politiques en parlent? Les quelques-uns qui en parlent sont très peu écoutés du peuple. Les maîtres sont toujours là, avec leur base militaire sur notre sol. Oligui vous a dit qu'il était... c'est lui qui contrôlait les renseignements au Gabon. Il ne contrôlait pas les renseignements. Ce sont les Français qui lui donnaient les renseignements. Il ne contrôlait pas les renseignements. C'est la France qui contrôle les renseignements au Gabon. C'est la France. La France contrôle les renseignements au Gabon. Et depuis longtemps, c'est la France qui contrôle les renseignements. Nous sommes esclaves de la France, des esclaves. Il y a des contrats coloniaux. Les contrats coloniaux, nos frères du Mali se battent. Je pense qu'ils ont rompu les contrats coloniaux du côté du Mali, au Burkina Faso. Chez nous, au Gabon, il y a ces contrats-là qui font de nous des esclaves. Une propriété de la France. Le trois quarts de la population gabonaise n'a pas connaissance de ces contrats coloniaux. Les Gabonais ne savent rien de tout ça. Rien de tout ça. Même les universitaires, ils ne savent rien de tout ça. S'ils ont déjà eu connaissance de ces documents, mais ils n'ont pas conscience de ce que ça représente. Parce que nous n'avons pas, nous sommes sans conscience politique au Gabon. Il y a des Gabonais qui ont même lu ces contrats coloniaux, mais qui n'ont pas conscience. Parce que dès lors que tu as conscience de ce que ça représente, ça te révolte. Ça provoque en toi de la révolte. Combien de leaders en parlent? Vous avez les Geoffroy Foumboula, les super intellectuels, qui parlent de donner des conférences, de réveil des consciences, qui sont incapables d'en parler. C'est la France qui décide du pourcentage qu'on doit attribuer aux Gabonais dans l'exploitation de leur manganèse, de leur gisement de pétrole et autres. C'est la France qui décide pour nous. Nous sommes des esclaves. Regardez les pays d'Afrique francophone. Regardez nos pays d'Afrique francophone. Les pays d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA. Regardez ces pays. Il n'y a que misère. Misère, sous-développement. Ne me parlez pas de la Côte d'Ivoire, j'ai déjà parlé de ça ici. Pour moi, le développement, ce n'est pas l'infrastructure. Il y a des besoins primaires. Le développement, ce n'est pas construire les ponts à tout va quand les populations n'ont pas à manger, n'ont pas où dormir. Donc regardez l'Afrique francophone. Et même la Côte d'Ivoire qu'on veut nous présenter aujourd'hui comme un pays étant développé, allez-y regarder. Allez-y regarder la dette, où se situe la dette de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont à plus de 20 000 milliards de dettes.
les pays d'Afrique francophone. Misère et sous-développement. Tout à fait, le frère Mesui. C'est ce que je disais, que les quelques personnes qui en parlent, M. Luc Bengonsi en parle, dénonce le franc CFA, dénonce la France. Et il a été l'une des rares personnalités politiques à dénoncer le simulacre de coup d'État du 30 août dernier. Mais des personnes comme ça sont très peu suivies au Gabon. On préfère suivre des menteurs, des corrompus, des manipulateurs, des gens qui sont là pour leur ventre, des gens qui se servent de la lutte, qui instrumentalisent notre lutte. Ce sont ces personnes qui sont suivies par les Gabonais. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. À l'époque de Kadhafi, par exemple, les sociétés françaises exploitaient le pétrole de la Libye. Des sociétés françaises. Mais elles avaient combien? Elles ne touchaient parfois que 5%. 5% de l'exploitation du pétrole en Libye. 5%. Vous ne voulez pas vous partir. Combien gagnent les multinationales étrangères, notamment françaises, dans l'exploitation du pétrole? Combien gagnent ces multinationales? Combien gagnent le Gabon? Je vais peut-être vous choquer, la famille, mais je vais vous dire la vérité. Le Gabon n'est pas un pays producteur de pétrole. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Nous ne sommes même pas un pays producteur de manganèse. C'est la France qui produit le pétrole du Gabon, qui jouit du pétrole du Gabon, du manganèse du Gabon. La France exploite notre pétrole. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Vous prenez des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils sont producteurs de pétrole. Chez nous, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. C'est ce combat-là que nous menons à la famille. Le combat pour la libération du Gabon passe aussi par le contrôle de nos ressources, de nos matières premières. Nous n'avons pas le contrôle sur nos ressources, sur nos matières premières. C'est la France qui contrôle. Ce sont les multinationales étrangères qui contrôlent. Ce sont les États-Unis qui contrôlent nos ressources. Parce que derrière la France, il y a les États-Unis. La France est la partie visible de l'iceberg. Derrière la France, il y a les grandes puissances occidentales, notamment les États-Unis. Ce sont ces gens-là qui contrôlent nos ressources. Et il faut que le peuple gabonais puisse prendre conscience de ce qui se passe. Mais les Gabonais ne savent rien. Nous sommes maintenus dans l'ignorance. Je disais à un jeune frère qu'aujourd'hui, les grands combattants, les grands combattants africains sont des autodidactes. Nos intellectuels aujourd'hui sont des contre-maîtres dans le champ, les champs de coton des Occidentaux, des maîtres colons. Parce que c'est ce message-là que nous devons enseigner à nos compatriotes, dès le bas âge, enseigner aux Gabonais, leur expliquer la nécessité de libérer notre pays pour avoir le contrôle de notre économie, de nos matières premières. Oligui est venu, l'imposteur Oligui est venu faire croire qu'il est venu pour libérer le Gabon. Mais, quitte de la restitution de 18%, que les Bongos ont dans notre pétrole, dans l'exploitation de notre pétrole. Jusqu'à présent, on ne nous dit rien à ce sujet. Il y a eu tout un tapage lorsqu'ils ont acheté les parts de Sekagadis, mais jusqu'à présent, on ne nous dit rien sur les 18% que perçoivent les Bongos dans l'exploitation de notre pétrole. En tant que qui ces gens-là?
ils ont le droit de percevoir 18% dans l'exploitation de notre pétrole. Les leaders d'opinion, là, Geoffroy Fumbula, tous ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Posez-leur la question. Pourquoi n'en parle-t-il pas? On nous parle de Gabon libre, finalement libéré de quoi, de qui? Perrinco et Comilog sont les pièces maîtresses du système France-Afrique au Gabon. Tout à fait. Tout à fait. Et nous avons même des multinationales françaises sur notre sol qui sont exonérées de taxes sur notre sol. La France s'enrichit au Gabon. Je vous dis que le Gabon est la vache laitière de la France. La vache laitière. Pendant que les Gabonais souffrent, la pauvreté ne devrait pas exister au Gabon. La pauvreté ne doit pas exister au Gabon. Aucun Gabonais ne doit souffrir. Aucun Gabonais. Notre terre est immensement riche. Immensement riche. Sauf que le pays est contrôlé par les puissances occidentales avec la complicité de nos ennemis endogènes. Et si notre combat de libération n'aboutit pas, c'est parce qu'il est gangréné par le cancer de la corruption. Le cancer de la corruption. Le cancer de la corruption et le cancer de l'ignorance des populations gabonaises. Les Gabonais sont ignorants et c'est entretenu. C'est entretenu, c'est voulu. C'est le système qui le veut. Maintenir le peuple dans l'ignorance pour pouvoir mieux le contrôler. Je regarde les images parfois du Gabon où je suis assis à la maison, je vous assure. J'ai les larmes aux yeux, ça ne doit pas exister. Aucun Gabonais ne doit souffrir. Même si nous n'avions pas le pétrole. Parce que la première richesse d'un pays, ce ne sont pas les matières premières. C'est la matière grise. Et même dans la matière grise, ils refusent d'investir. Et là, je vais prendre le deuxième volet de mon direct, c'est celui de parler de la nécessité de se débarrasser du système. Je vais revenir sur l'affaire des jeunes du concours de police. Là. Voilà. Donc, même dans la matière grise, ils refusent d'investir parce qu'ils veulent avoir le contrôle permanent sur les populations. La première richesse, c'est la matière grise. On peut avoir toutes les ressources du monde. Si on n'a rien dans la tête, on ne fera rien. Vous donnez 1 milliard, 10 milliards à un pauvre d'esprit, il ne pourra rien faire avec. Donc même dans la matière grise, ceux qui prennent notre pays en otage depuis plus de 50, 60 ans ne veulent pas investir. Parce qu'il faut contrôler les masses. Il faut contrôler le peuple. Un peuple ignare, ignorant et facilement contrôlable. Donc cette ignorance est entretenue. Les Gabonais ne savent véritablement pas, n'ont véritablement pas conscience. Les Gabonais savent que le Gabon est un pays riche, mais ils n'ont véritablement pas conscience que ce pays est riche. Sinon, le peuple se serait révolté depuis et aurait fait tomber ce système. Nous n'en avons véritablement pas conscience. Nous savons que le Gabon est riche, mais nous n'en avons véritablement pas conscience. Sinon, je vous assure qu'il y a des Gabonais même qui auraient pris des armes pour combattre ce système-là, pour que ces gens-là partent. Parce que la pauvreté ne doit pas exister au Gabon. Il doit y avoir des écoles dans chaque village, des écoles, des dispensaires, des pharmacies dans chaque village. Dans chaque village, il doit y avoir des transports scolaires pour nos enfants. Partout, il doit y avoir partout des bibliothèques. Je disais d'ailleurs que dans notre Gabon nouveau, nous allons remplacer les bars par des bibliothèques, par des écoles et des bibliothèques. Nous investirons dans la matière grise pour construire une nation forte. Une nation forte.
nous mènerons le Gabon vers l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous, Gabonais, nous n'occupons même pas 15% de la surface de notre pays. Donc il y a de la terre partout et notre terre est arable. Donc nous pouvons devenir l'un des plus grands exportateurs au monde. Une puissance exportatrice. C'est ma vision du Gabon nouveau. Ma vision du Gabon nouveau. Que Dieu me fasse grâce et nous fasse grâce de voir ce Gabon libre, ce Gabon nouveau, le vrai Gabon nouveau. Donc je disais à la famille que j'ai vu les sorties de nos jeunes frères, qui ont passé le concours de la police nationale. J'ai vu les plaintes des jeunes, les vidéos, ils se plaignaient. Je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Les jeunes vont maintenant comprendre. Parce que je vous avais dit, la famille, qu'il ne faut pas qu'on combatte on se contente de combattre les individus du système. Nous devons combattre le système en lui-même. Et dès les premières heures qui ont suivi le simulacre de coup d'État du 30 août 2023, j'avais fait un direct pour vous dire que la famille, ce système n'a pas été conçu pour le bien-être des populations. Il a été bâti pour détruire. Il a été bâti pour détruire, pour faire souffrir les populations. Ce système ne permettra jamais que les Gabonais soient autonomes financièrement. Parce qu'il n'y aura plus personne dans leur meeting. Ils ont besoin de clochardiser la population. Ils ont besoin d'affamer la population. Ils entretiennent la souffrance, la pauvreté, la misère. Pour qu'il y ait des Gabonais pour applaudir lorsqu'ils passeront dans leur meeting. Dernièrement, j'ai vu un jeune couple gabonais du côté du sud, dans la Nyanga. Un jeune couple gabonais qui a donné à leur bébé le nom de Liguingema. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est à cause de la misère. C'est la souffrance. Si ces deux jeunes gabonais-là avaient un emploi, gagnaient bien leur vie, jamais de la vie, ils n'auraient donné à leur enfant, à leur progéniture, le nom du franc-maçon, du démon au Liguingema. Jamais. C'est la misère. Et c'est ce que veut le système. Entretenir les Gabonais dans la misère, dans le sous-développement mental, financier. C'est ce que veut le système. Lors de ces concours, ne soyez pas surpris qu'il y ait du népotisme. Ils prennent des enfants, des gens qui ont des intérêts dans le système, des gens qui sont dans l'oligarchie. Parce que eux, ils seront prêts à tirer sur vous, sur le peuple, lorsque vous allez vous révolter contre le système. Est-ce que vous êtes sûr de tirer sur le peuple? Ils prennent leurs enfants, les enfants issus du système. Ceux qui sont là, qui sont prêts à donner leur vie pour protéger le système. Vous devez comprendre ça. J'ai reçu parfois des messages des frères. Oh oui, mais j'ai déposé le dossier de l'enfant et tout à la GR, l'enfant voulait rentrer à la GR et tout, ça n'a pas abouti. J'ai dit, frère, ils ne prennent pas n'importe qui là-bas. Ils ne prennent pas n'importe qui. Ils prennent au sein de la GR des enfants qui ont des intérêts dans le système, qui sont prêts à prendre le fusil et à tirer sur la population lorsque la population se révoltera contre le système. Lorsqu'Oligui est arrivé le 30 août, ils vous ont fait croire qu'on allait vous restituer les marchés, que les Gabonais allaient être plus de 70% dans tous les marchés. Est-ce que vous avez vu que c'est arrivé? Non. Et ça n'arrivera pas tant que ce système sera là. Ça n'arrivera que quand le Gabon sera libre. Nos frères africains seront obligés de nous excuser. Mais nous aurons le contrôle sur toutes les activités dans le pays jusqu'à ce que nous atteignions les 0% de chômage. Boutique, marché, tout, transport, tout sera contrôlé par les Gabonais. Dans le Gabon nouveau. Mais ça ne peut pas arriver tant que ce système est là. Parce qu'ils ont besoin des Gabonais affamés. Si les Gabonais ont du travail, quand Oligui viendra faire ses meetings en 2025, s'il arrive en août 2025 à la tête du Gabon, ce que je ne crois pas trop, lorsqu'il viendra faire ses meetings, si tous les Gabonais ont le travail, qui va aller dans ces meetings?
Qui ira là-bas? Comment il fera pour démontrer à la communauté internationale qu'il a le peuple avec lui? Parce que on se connaît entre Gabonais. Un Gabonais qui gagne 200, 300 000 par mois, mais qu'est-ce qu'il ira chercher dans les meetings? Il ira chercher quoi? Ce sont les Gabonais affamés qui y vont. Pour une canette, pour avoir de quoi manger, pour pouvoir nourrir les enfants, avoir un petit 5 000 francs, aller acheter un kilo de riz. Le Gabonais qui gagne son argent, là, c'est 500 000 francs, il gagne ses 500 000 francs par mois, mais il va aller chercher quoi dans un meeting? Donc le sous-développement, la misère, est entretenu par ce système. Et rien ne changera tant que le système sera là. Je vous l'ai expliqué depuis le 30 août. Maintenant, il y en a qui vont commencer à comprendre. Il y a des Gabonais maintenant qui sont en train de comprendre que, mais tiens, donc nous, on est en train de dire qu'Ali Bongo doit dégager. Mais finalement, le problème, en fait, ce n'est pas la personne d'Ali Bongo, c'est tout le système qu'il faut combattre. Il y a des Gabonais qui sont en train de le comprendre. Voilà pourquoi je dis toujours que tout ce que Dieu fait est bon. À travers ce simulacre de coup d'État du 30 août 2023, les Gabonais sont en train de comprendre qu'en fait, ce n'est pas une simple affaire du non-Bongo à la tête de l'État. C'est tout un système, en fait, qu'il faut combattre. Et c'est ce que je viens vous dire ce soir, la famille, nous devons combattre le système. C'est le système que nous devons combattre. Parce que si nous nous contentons seulement de combattre les individus du système, si là, par exemple, on se décide de ne combattre que la personne de Ligui, ben demain, ils vont placer, Jacques Denis Tsanga, qui a été élu président de la Grande Loge du Gabon. Ils vont placer quelqu'un d'autre. Nous devons combattre tout le système. Tout le système. Il doit tomber. La libération du Gabon, c'est ça. La libération du Gabon, c'était par enlever Hossein Issa, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, Vouranjami, Yann Goulou et autres. La libération du Gabon, là, dont moi, la Vinci parle, la libération du Gabon, c'est faire tomber ce système. C'est faire tomber la France. C'est obtenir notre indépendance, obtenir notre souveraineté. Il y aura toujours et toujours du népotisme, du clientélisme. Tant que ce système sera là. Nous devons nous armer de courage, nous réorganiser pour combattre le système. Et ces gens-là ne partiront jamais par les élections. Je vois beaucoup de Gabonais qui disent on attend 2025 pour chasser Oligui. Ils ne partiront jamais par les urnes. Oligui Nguema a nommé son oncle à la cour à la présidence de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas pour partir. Ils vont organiser leur simulacre de dialogue là, dans bientôt. Un dialogue qui accouchera de, je sais pas, de pipis de chat. C'est pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ils ne partiront jamais par les urnes parce qu'aucun système autocrate ne tombe par le processus électoral. Ces gens-là ne partiront que par la révolte. Et j'ai l'intime conviction qu'il va se passer quelque chose dans ce pays. Il va se passer quelque chose dans ce pays qui emmènera le peuple à se lever. Parce qu'il y a des jeunes frères qui m'écrivent, qui me disent « Oui, au moins la Vinci, on sait qu'Oligui est pédégiste, on remarque que ce sont les mêmes personnes qui sont toujours là, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Pour l'heure, nous ne pouvons rien faire. Je vous ai toujours dit que la libération du Gabon ne viendra que par le peuple. Dieu est le peuple. Les peuples opprimés n'ont pas de libérateur, comme l'imposteur Oligui vous l'a fait croire. Il vous a dit, oui, je suis le libérateur, je l'ai écouté lors de son discours à Oyem, imbu de sa personne, même des gens comme le Che Guevara n'ont jamais dit qu'ils étaient les libérateurs. À Oyem, oh oui, c'est moi le libérateur. Les peuples opprimés n'ont pas de libérateur. Aucun homme sur terre n'a libéré un peuple, aucun homme. Les peuples opprimés n'ont pas de libérateur, ils se libèrent par eux-mêmes.
Et lorsque vous voyez un coup d'État comme celui du 30 août 2023 sans effusion de sang, ce n'est pas un coup d'État. C'est un compromis. Et il y a eu un compromis, un arrangement entre eux. Un arrangement pour maintenir le peuple gabonais en captivité. Pour maintenir le même système à la tête du pays. Et c'est ce qui se passe. Le réveil devient de plus en plus douloureux pour certains. Il y en a qui sont en train de comprendre ce que nous avions tenté d'expliquer depuis le 30 août. Il y en a qui sont en train de comprendre. Les activistes qui étaient adulés parce qu'ils chantaient les louanges de l'imposteur Oligui le 30 août. Parfois, je me balade sur la toile où Facebook, à travers ses algorithmes, nous balance des publications sur notre timeline, donc sur notre fil d'actualité. Et puis parfois, je lis les commentaires. je lis les commentaires et je rigole. Et je me dis, Dieu, tu es bon. Tu es bon parce que le même Gabonais qui, le 30 août, venait sur ma page pour m'insulter parce que je disais que c'était les PDGistes qui étaient derrière ce coup d'État. Aujourd'hui, ils ont compris que les activistes, en fait, qui ont adoubé ce faux coup d'État sont les instruments du système. Je vois souvent les commentaires, là, je ris tout seul. Et je me dis, Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu fais toutes choses en ton temps. Donc, il y a beaucoup de Gabonais qui sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre qu'en réalité, nous nous sommes fait sodomiser. Il y en a, ils n'ont pas le courage de venir nous dire que oui, frère, vous aviez raison. Mais c'est pas grave, moi je cherche pas à avoir raison. Je cherche à simplement éveiller le peuple parce que c'est ma mission sur terre. Éveiller le peuple, faire naître des patriotes, faire prendre conscience aux Gabonais que, voilà. Nous devons combattre ce système. Tout à fait, Oligui n'a pas l'intention de partir, mais il partira. Il partira. Ce n'est pas pour rien que depuis le 30 août, il maintient les Gabonais en prison. Alors qu'il n'y a aucune menace apparente. Depuis le 30 août, il maintient un couvre-feu. Il maintient un couvre-feu. Couvre-feu qui est aussi à l'origine, au-delà du franc CFA que nous imposent les colons. Ce couvre-feu est aussi à l'origine de la cherté de la vie. Parce que, économiquement, nous prenons un coup. Nous prenons un coup. Parce que les compatriotes qui travaillent dans le secteur informel font rentrer de l'argent. L'État perd des centaines de millions chaque jour à cause de ce coup-feu. Chaque jour, nous perdons des centaines de millions. Et donc, pour renflouer les caisses de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé d'augmenter les prix des produits dans notre pays, des divers produits. Ils ont décidé d'augmenter parce qu'il faut renflouer les caisses. C'est le peuple qui en pâtit. Il impose un couvre-feu parce qu'il a peur. Il est devenu parano, il a peur, il impose le couvre-feu. Depuis 6 mois, je pense que c'est peut-être le premier pays au monde où on nous parle d'un coup d'État. Un coup d'État sans effusion de sang. Et puis voilà, on maintient un couvre-feu. Depuis 6 mois, il impose ce coup d'État qui coûte énormément, énormément à l'État, qui fragilise notre économie. Et donc, pour compenser cet argent-là, on augmente les transports. Voilà, le prix des bateaux, on augmente tout. Tout augmente dans le pays. Le prix de l'huile. Il a retiré 1000 francs sur la bouteille de gaz, le fait pour manipuler les Gabonais. Et depuis, tout a augmenté. Tout a augmenté. L'œuf a augmenté, les jus ont augmenté, les boissons ont augmenté, l'eau minérale a augmenté. Tout. Tout augmente. Oligui est plus idiot qu'Ali Bongo. Enfin, c'est la même famille. Hein. C'est la même famille. Le frère Mesu dit, grand, qu'est-ce que tu penses de la situation de Kelly Ondo? Ce que je pense, c'est qu'Oligui a peur de Kelly Ondo. Je vous dis qu'il est devenu parano.
Il a peur de Kelly Ondo, il a peur des hommes qui sont avec Kelly Ondo, parce que Kelly Ondo n'est pas seul aussi. Bon, on parle de lui parce que c'était le chef de la bande, mais ils sont plusieurs. Donc il a peur des petits là. Il a promis libérer, c'est un menteur, Oligui. Il a parlé de la libération, il allait libérer 1000 personnes. Oh, 1000 personnes allaient être graciées. Mon frère Merlet est là, il est là-bas en situation. On me dit qu'il est malade, sa santé se dégrade. Un digne fils du pays, Merlin est là. Donc des voleurs, des criminels financiers comme Brice Latouche Alianga et ses amis ont été libérés. Renaud Alogo Akoué. Mais Merlin est là, il est maintenu en prison. Kelly Ondo et ses hommes sont maintenus en prison. Des criminels financiers, des gens qui ont volé des milliers de milliards, je ne dis pas un milliard, 2 milliards. Ils ont volé, ils ont détourné des milliers de milliards, ils ont envoyé dans les paradis fiscaux. Ils sont sortis de prison. Le menteur Oligui Nguema, il a promis de libérer les détenus politiques. Nos frères sont là-bas. L'argent qui a été retrouvé lors de leur perquisition, ils ont retrouvé des milliards. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est passé cet argent. Les voitures, nous ne savons pas où sont passées les voitures. Oligui, c'est un féman. C'est un féman. Il est venu là pour faire les mêmes choses. Il est venu pour voler. Et il sait qu'il ne va pas durer, donc il veut voler le maximum. Hein, Clotaire? Tu sais que tu ne vas pas durer. Parce que je sais que tu me regardes, tu me suis beaucoup, toi. Tu es l'un de mes plus grands, mes abonnés, là. Tu es ici super fan avec des faux comptes. Tu sais que tu ne vas pas durer. Donc tu es venu pour voler. Voler, bien voler avant de partir. Merci beaucoup à Bila Bichelou qui dit c'est un live pertinent. Tous mes lives sont pertinents. Voilà. Il suffit de venir sur seulement et puis vous verrez. Que pensez-vous de la fondation Sylvia Bongo? C'est une organisation mafieuse qui avait pour but de faire dans le blanchiment des capitaux et c'est dans la même chose, c'est la même chose que Oligui est en train de faire avec ses épouses Zita et puis l'autre Anouchka, je crois. Si vous remarquez bien, vous verrez la fondation, c'est Dorcas ou Orca quoi. Allez-y, regardez, vous verrez que regardez la page. De Anouchka en question là. Regardez, allez-y, regardez la première publication, la date d'ouverture, jusqu'à Oligui a fait son simulacre de coup d'État. Allez, madame, elle a créé sa fondation aussi. Direct. Donc, c'est quand Oligui a pris la présidence que les dames se sont souvenues que nous, on va devenir aussi, on va ouvrir aussi nos associations pour aider les Gabonais. Donc, l'amour des Gabonais a commencé. L'amour pour les Gabonais a commencé après le coup d'État. Donc depuis, elles étaient où? Ça, ce sont des organisations pour faire en fait dans le blanchiment des capitaux. Et si vous observez bien, Zita, elle veut tout faire comme Sylvia Bongo. A beau lui dire qu'elle n'est pas première dame. J'ai suivi un discours d'elle, je pense en Angola ou je ne sais pas où. Mais j'ai eu honte. Mais j'ai dit, mais c'est quoi cette tocarde-là? Tu n'es pas première dame, tu insistes. Vous n'êtes pas première dame. Il n'y a pas de première dame en période transitoire. Et notre constitution ne reconnaît même pas le statut de première dame. Et ça, ce sont des choses même qu'il faut changer dans le futur Gabon. On ne veut pas entendre. C'est des histoires des Occidentaux, ça. On met la femme devant. Oh, elle dirige les réunions. Elle reçoit les ambassadeurs. Elle reçoit les hommes politiques. En tant que qui? En tant que qui? Tu es la femme du président. Ta place à la cuisine, ma chère. Personne, il n'y a aucun statut au Gabon qui reconnaît le statut de première dame. Et encore, ton mari n'a pas été élu, il n'est pas président de la République. Il est président de la transition militaro-pédégiste france-africaine. Et ça démontre que ces gens-là sont des pédégistes. Ils viennent avec des comportements pédégistes. Ils viennent pour la continuité du pédégisme.
J'ai regardé le discours de Zita en Angola, j'ai eu honte. Maman, tu ne sais pas lire en public. Tu veux faire honte au Gabon? Reste dans ta cuisine, ma chère. Tu n'es pas première dame. Ce sont les Gabonais qui t'ont applaudi dans l'euphorie. Voilà, le 4 septembre, lors de votre cérémonie anticonstitutionnelle de prestation de serment d'un putschiste pédégiste. Voilà, à cause du bisou, comme des moutons, parce qu'ils sont émotifs. Quand là, ils étaient contents, ils ont applaudi. Oh, maman Zita, maman Zita. Tu n'es pas première dame. Tu n'es pas première dame. Même si c'est une fausse transition, nous sommes en période transitoire. Restez dans votre couloir. Toi, Anouchka, et toi, ta co-épouse, restez dans vos cuisines. Au lieu de venir faire honte au Gabon, tu ne sais pas lire. Va d'abord apprendre à lire. Si ton mari est élu président de la République, après maintenant, tu pourras venir t'afficher. Parce que les dirigeants africains veulent ressembler aux occidentaux. Les blancs disent première dame, vous aussi, vous venez parler des premières dames. Léon était ce qu'il était, ses femmes étaient à la cuisine. Maintenant, on nous amène des premières dames qui veulent être devant, qui veulent avoir même plus d'autorité que le premier ministre. Tout à fait, Eniglen. Dans notre Gabon nouveau, nous allons dissoudre la GR. Dans notre Gabon nouveau. Parce que la GR est une milice créée par la France. C'est une milice. Et ça aussi, les Gabonais l'ignorent. Ils pensent que c'est notre armée. Les formateurs de la GR sont des Français. Ils sont là. La GR, c'est une milice. Une milice française créée par la France après le coup d'État de 1964 au Gabon. La France a créé la GR et la France s'est arrangée à ce que la GR soit l'unité d'armée au Gabon qui soit la plus fournie en armement. Donc la GR, cette unité, cette milice française et de la famille Bongo, est plus armée que notre armée nationale. Voilà pourquoi vous avez vu qu'ils ont fait leur simulacre de coup d'État, ils sont passés par la GR. Et je vous dis que si ça aurait été notre armée, l'armée de terre, qui aurait fait le coup d'État, un vrai coup d'État, mais la GR aurait sorti ses armes. Donc la France ne pouvait passer que par la GR. Et vous allez voir que beaucoup de coups d'État france-africains, en Afrique, les coups d'État qui sont orchestrés par la France, c'est toujours la garde présidentielle. C'est toujours l'unité de la garde présidentielle. C'est parce que c'est la France qui contrôle. Même au Cameroun, là à côté, c'est la France. Ils ont une unité spéciale pour la protection du président. Parce qu'après le coup d'État de 64 au Gabon, la France a créé des unités comme celle de la GR dans toute l'Afrique francophone. Spécialisées dans la protection du président qui est comment on les appelle même comment on appelle ces tocards là, donc la France a créé ces unités-là pour protéger les présidents africains qui sont au service de la France. Voilà. En quelque sorte, des valets, des laquais de la France. Donc la GR, quand nous rentrerons dans notre Gabon nouveau, la GR n'existera plus. La GR n'existera plus. Les soldats seront envoyés dans d'autres, dans l'armée de terre, dans d'autres corps, mais la GR n'existera plus.
Parce que la GR, c'est la France. La GR est au service de la France. Le frère mesure et là me dit, Glenn me demande quelle est ma position, quel est mon avis, qu'est-ce que je pense de la position de Privan Gaumont par rapport à la transition. Mais vous-même, vous allez aller répondre à vos questions. Pourquoi vous voulez manger le piment dans ma bouche? Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous ce que tu en penses. Vous tous, vous voyez, on voit tout ce qui se passe. Privan Gaumont, son frère Télésphore Gaumont a été nommé par Oligui Nguema. Maintenant, nous tous, on voit ce qui se passe. On voit qu'il ne parle plus, il ne dit plus rien. Donc, on comprend qu'en réalité, son combat, soi-disant contre le franc CFA, contre la France-Afrique, tout ça, là, c'était juste pour du bruit. C'était pour faire du bruit, c'est tout. Il n'a jamais été sincère dans son combat, sinon il continuerait la lutte. Depuis que le frère a été nommé silence total, il mange son argent. Là, je vais dire quoi? Toi-même, tu vois ça? Nous tous, on voit. Gouverneur France-Africain. Non, en fait, le sous-préfet, c'est l'expression que je cherchais. Donc, en fait, la France a créé la GR et tout pour protéger ses sous-préfets. Parce que les présidents africains en Afrique francophone, là, sont des sous-préfets, en fait, de la France. La GR avait exécuté le capitaine Monza devant la présidence d'Omar Bongo. Ils ont tué beaucoup de personnes. La GR a éliminé beaucoup de personnes, beaucoup d'opposants, beaucoup de combattants. Ce sont des éléments de la GR qu'on comprend à chacune des manifestations populaires, des révoltes post-électorales au Gabon. Ce sont les éléments de la GR qu'on a toujours pris. Parfois, ils sont en civil. Ils viennent pour tuer. Ils sont formés pour ça. Vous avez écouté lors des défilés leurs chansons. Ils font allégeance au président, qui sont là pour le président, pour la protection du président. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour tuer, pour protéger le sous-préfet que la France nous impose. Et ça, c'est partout, en Afrique francophone, partout. Donc ce sont nos héros au Gabon en 1964 qui sont à l'origine de la création de la GR par la France. Parce que la France s'est dit, non, c'est pas bon. Si on n'a pas une unité à nous pour protéger nos sous-préfets en Afrique, ben, les Africains vont à chaque fois les dégager. Donc au Gabon, c'est la GR qui est plus équipée que les autres corps d'armée. La GR qui est chargée de protéger le sous-préfet que la France nous impose. Et là, aujourd'hui, la mission de la GR, c'est de protéger le laquais France-Africain, Oligui Nguema, un posteur pédégiste. Dans la GR, vous verrez beaucoup de blancs, tout à fait. Mais lorsque le QG de Jean Ping a été bombardé en 2016, c'était un blanc qui conduisait l'escadron de la mort. Les blancs étaient là. Et vous avez vu que les soldats français qui étaient juste à côté, à l'armée française, ils n'ont pas bougé d'un iota. Ils étaient là, il y a eu des bombardements toute la nuit, ils ont écouté, ils n'ont rien fait du tout. Mais si c'était la présidence qui était bombardée, vous aurez vu l'armée française déployer ses éléments dans tout le pays. En 2016. Donc voilà pourquoi l'armée française doit dégager de notre territoire. La GR doit être dissoute.
Privat n'est pas le seul à ne plus parler, ils sont beaucoup à ne plus parler. Voilà pourquoi je vous ai dit que notre mouvement de libération est gangréné par le cancer. Le cancer de la corruption. Nous devons combattre la corruption, la famille. Nous devons combattre la corruption. Regardez la liste. Quand vous aurez du temps, cherchez la liste des pays les moins corrompus au monde. Vous cherchez la liste des pays les moins corrompus au monde et vous trouverez les plus grandes puissances du monde. Un pays ne peut pas se développer dans la corruption. Nous ne pouvons pas nous développer. Nous avons déjà des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Ces chaînes sont la France, son franc CFA, ses contrats coloniaux, son ingérence politique. Ajoutez à cela, il y a encore la corruption. Nous ne pouvons pas avancer. Et puis la corruption dans notre mouvement de libération. Nous ne pouvons aller nulle part. Vous voyez des gens qui se lèvent, qui se présentent comme étant des défenseurs du peuple, mais qui finalement vont se laisser corrompre. Beaucoup viennent parler au nom du peuple parce qu'ils veulent avoir une nomination. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Très peu de Gabonais sont sincères dans le combat que nous menons pour la libération du pays. Très peu. Les gens sont majoritairement intéressés. Et quand il y a quelques-uns qui sont sincères, ils sont attaqués, ils sont combattus. C'est le cas pour moi depuis des années. Des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais écouté, qui n'ont jamais pris la peine de m'écouter, de comprendre ma vision, mon idéologie, parce que je ne mène pas ce combat pour mener, j'ai une idéologie. Ceux qui n'ont jamais pris la peine de m'écouter me détestaient sans raison parce qu'ils ont entendu parler de moi. Il y a eu toute une cabale parce que la vérité est toujours combattue. Toute une cabale. Parce que je combattais la corruption aussi. Celui qui combat la corruption a beaucoup d'ennemis. Et nous devons combattre le cancer de la corruption. Nous devons aussi aiguiser notre sens du discernement. Parce que moi, les voyous, je sais les reconnaître. Il y a des gens qui sont arrivés devant mes yeux dans ce combat-là. Mais il suffit de regarder juste une vidéo de la personne pendant 5 minutes. Et tout de suite, je sais reconnaître le vrai combattant et le plaisantin qui vient en fait faire du bruit parce qu'il veut se faire remarquer, c'est tout. Je sais les reconnaître. Il me suffit seulement de 5 minutes. Voilà pourquoi je trie ce que je regarde. Il y a des frères qui peuvent me taguer sur des vidéos, des Gabonais qui vont dénoncer ceci ou cela. Je regarde et puis je passe à autre chose. Mais quand c'est quelqu'un de vrai, je vais directement m'abonner. Direct. Parce que je sais reconnaître les vrais. Les plaisantins aussi, je sais les reconnaître. Ceux qui font du bruit parce qu'ils veulent avoir des nominations, je sais les reconnaître. Les frustrés aussi, qui à l'époque soutenaient Ali Bongo et qui aujourd'hui veulent se présenter comme étant des combattants anti-CTRI, PDG, ceux-là je ne les calcule même pas. Parce qu'ils n'ont à mes yeux aucune crédibilité. Ce sont des pions envoyés par les tyrans afin de freiner la vraie révolution. Voilà pourquoi, depuis le début, j'ai dit aux Gabonais que les Gabonais doivent apprendre à être leur propre leader. Il faut réveiller le leader qui dort en nous. C'est un message que j'ai véhiculé pendant des années. Je dis qu'il faut que les Gabonais apprennent à réveiller, parce qu'en nous, tous, il y a un leader. En nous tous. Il faut réveiller ce leader.
Et je me réjouis quand je vois des jeunes frères aujourd'hui sur TikTok qui font des lives et tout. Je suis content, je me dis c'est bon, gloire à Dieu. Il y a le relais. J'espère juste que les petits, après demain, ils ne vont pas devenir aussi des commerçants comme d'autres. Parce que nous ne devons pas mener ce combat-là pour attendre une quelconque récompense. Après demain, nous sommes appelés à diriger notre pays. Nous n'allons pas toujours avoir cette posture de contestataire. Il va falloir qu'on soit à la tête du pays pour pouvoir diriger le pays avec notre vision à nous. Il va falloir qu'on puisse demain être des hommes politiques qui feront de la politique pour servir le pays. Parce que nous allons construire un Gabon où les Gabonais pourront devenir des grands hommes d'affaires. Le système aujourd'hui ne le permet pas. Pour être un grand homme d'affaires au Gabon aujourd'hui, il faut être un homme politique, il faut être dans le système. Sinon, de facto, tu représentes un danger pour le système. Mais dans le Gabon de demain que nous voulons bâtir, les gens pourront investir dans les affaires. Donc ceux qui feront de la politique, ce ne sera pas pour gagner de l'argent, mais pour servir le pays. Parce qu'on ne fait pas la politique pour gagner de l'argent. Ce système nous a longtemps fait croire que pour gagner de l'argent, il fallait faire de la politique. Et demain, il faudra que les choses changent. Celui qui voudra devenir milliardaire devra investir, faire du business, pas de la politique. Dans le Gabon, nous, on ne fera pas de la politique pour gagner de l'argent, mais pour servir le pays. C'est ma vision du Gabon nouveau. Un Gabon où les hommes politiques feront de la politique pour servir le pays et non pour se servir du pays. Maintenant, ceux qui voudront devenir des multimillionnaires et multimilliardaires pourront librement se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est compliqué avec le système-là. Voilà pourquoi les jeunes sont obligés de rentrer en politique. Ils n'y connaissent rien en politique, mais ils ont compris que rentrer en politique, ça donne de l'argent. Si on pouvait tranquillement faire son business au Gabon sans avoir les barons du système et tout dans les pattes pour nous empêcher, de mettre en place nos business, ben, les gens ils auraient investi depuis. Et c'est compliqué. Il y a beaucoup de frères là, des opérateurs économiques gabonais qui ont été combattus par les barons du système parce qu'ils ne sont pas dans le système. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes des millions au Gabon sans être dans le système. Alors le système te voit très mal. Parce que celui qui a de l'argent a le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Si moi j'avais l'argent, j'aurais causé des problèmes à ce système. Mais tout ce que j'ai, c'est mon amour pour le pays, ma détermination, ma parole. C'est tout ce que j'ai comme arme. Mais c'est aussi une âme puissante. Parce qu'à travers le combat que je mène, il y a des milliers et des milliers de Gabonais patriotes qui sont nés. C'est tout ce que je peux faire. Mais si j'avais l'argent, ça aurait été en plus. Donc ils savent ça, ils ont conscience qu'avec l'argent, on a le pouvoir. Avec l'argent, on peut renverser un système. Voilà pourquoi on nous empêche. On nous empêche d'entreprendre. On nous parle, on nous dit d'entreprendre. L'imposteur Oligui nous dit d'entreprendre, mais nous n'avons pas d'argent, ils le savent. Nous n'avons pas les moyens de nos politiques, sinon les idées, nous avons. Il y a des jeunes Gabonais à qui vous donnez un certain capital et tout, ils pourront faire de grandes choses. Mais ils n'ont pas les moyens de leur politique. Ils ont les idées, mais pas les moyens de leurs idées. On nous dit seulement d'entreprendre. Mais en réalité, ils ne veulent pas qu'on entreprenne. C'est voulu, Sarah. Voilà, c'est voulu. Ils ne veulent pas que la jeunesse gabonaise qui n'est pas dans le système, ils ne veulent pas que ces jeunes Gabonais-là puissent entreprendre, investir. Ils ne veulent pas. Un milliardaire qui n'est pas dans le système est une menace pour le système. C'est comme ça partout dans le monde. Partout. Voilà pourquoi vous verrez que ce sont les mêmes familles. Pas seulement au Gabon, vous allez en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes familles. Les mêmes familles. L'oligarchie est composée des mêmes familles. Et ça depuis des années. De leur fausse indépendance. Ce sont les mêmes familles. Vous allez au Sénégal, ce sont les mêmes familles qui contrôlent. Vous allez au Togo, ce sont les mêmes familles. Si vous n'êtes pas dans le système et que vous gagnez de l'argent, vous êtes une menace pour le système. Vous allez voir qu'ils sont ensemble.
Leurs enfants font des enfants ensemble. Si vous constatez bien au Gabon, vous verrez. Les enfants de Tunga ont des enfants avec les enfants de Tungi. Les enfants de Tungi ont des enfants avec les enfants de Ping. Les enfants de Ping ont les enfants avec les enfants de Tel, de Chambrier. Tout tourne là. Et c'est comme ça partout en Afrique. Et même dans le monde. Même en Europe. Ce sont les mêmes personnes. Tu gagnes de l'argent, tu dois rentrer dans le système. Obligatoire. Même si tu as fait ton argent, tu ne t'es pas dans le système, tu dois rentrer dans le système. Sinon, le système, il te bousille. Tu as deux choix. Ou tu rentres, ou on te tue. On t'écrase. Et le Gabon nouveau, dans notre Gabon nouveau, les gens seront libres. Libres. Les banques seront là pour accompagner les jeunes qui voudront entreprendre, qui voudront investir. Il y aura bien évidemment un contrôle. Parce que nous n'aurons pas peur. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et le système que nous allons concevoir sera au service du peuple. Leur système a été conçu pour détruire, pour écraser, pour affamer, pour clochardiser les Gabonais. Nous devons détruire ce système, la famille. Sinon, il n'y aura jamais, jamais, jamais de changement. Donc la famille, je disais tantôt qu'il faut qu'on se... Il faut déjà qu'on se... Il faut qu'on se mobilise pour dénoncer le problème de la cherté de la vie dans notre pays. Il faut qu'on monte des images. Il faut qu'on puisse trouver une date. Il faut qu'on cale une date. On va lancer une campagne. Je suis de retour sur Terre. Je vous ai dit j'étais malade. Je suis de retour. On va reprendre le travail. Donc on va reprendre les audios. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Il faut déjà qu'on choisisse une date. Dans ce mois-là, il faut qu'on lance une ville morte, je ne sais pas, au concert de casseroles. Il faut qu'on fasse quelque chose. J'attends les suggestions ici, en messagerie ou en commentaire ici ou sur WhatsApp. J'attends des suggestions sur l'action que nous devons mettre en place. Soit une manifestation, un concert des casseroles, une ville morte avec concert de casseroles, j'attends des suggestions. Nous devons dire ensemble non à la cherté de la vie au Gabon. Les Gabonais ne gagnent presque rien. Les Gabonais sont au chômage. Il y a le problème des pensions, des retraités. On nous a parlé d'arrimage, finalement, les retraités se sont rendus compte que c'était de l'enfumage. Les gens qui ont travaillé depuis plus de 30 ans n'ont perçu que 1 million. On va leur donner encore 1 million, je ne sais pas, l'année prochaine, en 2025. Donc les Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts et la vie est de plus en plus chère. C'est dans la poche, dans le portefeuille du Gabonais qui souffre, qu'ils viennent encore soutirer de l'argent. Des produits qui sont fabriqués sur notre sol par une société exonérée de taxes. Comme comment on appelle ça, Olam. Les produits augmentent. Pourquoi? Il est temps de dire, il est temps d'arrêter avec le on va encore faire comment. Il est temps de se défaire, de se débarrasser de tout ce qu'ils font dans la distraction sur les réseaux sociaux. Restons focus sur ce sujet. Il faut qu'on se mobilise. J'attends les frangins qui s'y connaissent en montage graphique, là, les gars. Manifestez-vous, il faut qu'on monte une bonne image pour une campagne nationale. On va relayer au maximum. S'il faut, on va se mobiliser même financièrement pour coller des affiches. Pour coller des affiches au pays comme on faisait. Donc les gars, manifestez-vous. Manifestez-vous, j'ai besoin de vous. Il faut qu'on monte une bonne image. Qu'on va placarder partout. On va inonder la toile avec pour dénoncer la cherté de la vie. Parce que c'en est trop. Au Gabon, quelqu'un qui gagne même 500 000 francs
et qui a deux enfants ne peut plus s'en sortir. Parce que tu dois payer les transports. Tu dois payer ton transport, le transport des enfants, ce que mangent les enfants. Tu dois prévoir. Tu dois avoir une trousse, une boîte à pharmacie. Prévoir en cas de maladie. Il y a des parents toujours qui viendront pour demander de l'aide. On ne peut plus rien faire. On ne peut même pas construire. Au Gabon, tu as 500 000 francs. Tu as deux enfants, tu loues une maison de 150 000 francs. Tu ne pourras rien épargner pour construire dans ta vie. Tu vivras éternellement locataire. Pourquoi? Et après, on s'étonne, on dit oui, chez nous au Gabon, on a 40 ans, on vit encore chez les parents. Mais à quel moment tu vas avoir les moyens d'aller construire une maison? Les transports sont de plus en plus chers. Les déplacements de 100 francs au Gabon me dit que ça n'existe plus. C'est maintenant 200, 500, 1000 francs, 2000. Quelqu'un doit partir de sa maison pour le travail. Dépense 1000 francs, aller, 1000 francs retour. 2000 francs dans le mois, ça fait combien? La personne doit payer le loyer. La personne doit payer le transport des enfants. Payer l'école des enfants. Il faut manger. Il faut payer l'eau, l'électricité. Finalement, on vit pourquoi au Gabon? La famille, personne ne viendra faire du bruit à votre place. Donc ensemble, il faut qu'on se mobilise pour dénoncer la cherté de la vie. Dans d'autres pays, là, le pain, je vous dis le pain qu'on nous vend au Gabon là-bas, 125 ou 150, dans d'autres pays, le pain, là, c'est 50. Le long pain. La bouteille de gaz. Dans un pays non gazier, non pétrolier, la bouteille de gaz est à 2000 francs. La bouteille de gaz, 2000 francs. Dans des pays non producteurs de gaz. Pourquoi? Et chez nous au Gabon, tout est cher. Le sable qu'on va ramasser à la plage chez nous, les camions de sable, les Gabonais veulent construire. Le camion de sable coûte cher. Le camion de gravier coûte cher. Le sac de ciment coûte cher. Dans les pays des autres, le sac de ciment, 2000 francs. On s'étonne, on dit, oh, les Gabonais, il a 40 ans, il vit chez ses parents. Chez les autres, sac de ciment, 2000 francs, 2500, 3000. Chez nous, tout est cher. Chez les autres à côté, le litre de pétrole coûte 200 francs. Chez nous, 500, 500 et quelques. Pourquoi? Il faut qu'on dénonce ça. Donc, on va se mettre au travail d'ici la semaine prochaine. Là, on va accentuer l'actualité là-dessus. Bolo, Steve Dylan, ça fait un bail. Donc, merci la famille d'avoir été nombreux sur le direct. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour partager. Merci à ceux qui ont mis des cœurs et des pouces. Merci infiniment encore aux Sentinelles qui prient pour moi. Je vous ai dit, la famille, que je sors du séjour des morts. Ça a été difficile. Ça a été très, très, très difficile. J'ai beaucoup souffert, mais grâce à vous, grâce à vos prières, grâce au Dieu de miséricorde, de médecins, je suis de retour sur Terre, de retour au travail, pour continuer la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur Terre, celle de mener cette lutte pour la libération du Gabon et de l'Afrique. Et nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faut qu'on se remobilise, qu'on puisse combattre ce système. C'est le système que nous devons combattre pour rentrer enfin dans le Gabon nouveau. Parce que nous n'y sommes pas encore. Le diable s'est joué de nous. En nous faisant croire que nous étions libres, mais nous sommes toujours enchaînés, toujours prisonniers de la France, prisonniers des États-Unis, des puissances occidentales, prisonniers du système Bongo PDG, de nos ennemis intérieurs. Nous sommes toujours prisonniers. Voilà pourquoi vous voyez que ce sont toujours les PDGistes qui sont là nommés à des hautes fonctions,
Oligui est en train de placer tous ses pions partout dans le pays, au sein de la diaspora, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir au-delà de la période transitoire. Mais Dieu a un plan pour le Gabon. Il y a eu les Omariens, ensuite il y a eu les Alistes, il y a eu les Acromessistes, ensuite il y a eu les Bla Boys, la Young Team. Nous sommes de retour aux Omariens et Dieu va frapper. Les Omariens sont la base du système. Dieu va frapper, ils tomberont. Ils tomberont dans bientôt, nous rentrerons dans le Gabon nouveau. Ils ne pourront pas arrêter ça. Nous rentrerons bientôt dans notre Gabon nouveau. Nous sommes en plein dans le processus de libération du Gabon. Il va se passer des choses qui réveilleront le peuple. Il se passe déjà des choses qui sont en train de faire prendre conscience aux Gabonais que, voilà, c'est toujours le même système qui est là. Et il y a un événement qui surviendra dans le pays qui emmènera le peuple à la révolte. Et ce système-là tombera. Le pays va bouger. Ces gens-là vont tomber. Ils tomberont. Puis nous allons bâtir notre Gabon nouveau. Nous exigerons le départ des bases militaires françaises sur notre sol. Nous imposerons à la France de nous respecter. Nous lui imposerons le respect. Nous choisirons nos partenaires commerciaux, politiques, militaires et autres. Nous aurons le droit nous-mêmes de choisir. Nous ferons du Gabon un pays autosuffisant alimentaire. C'est important. C'est même très important. Parce qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme est un peuple en danger. Nous mettrons en place une sécurité alimentaire forte aussi, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de véritable contrôle sur ce que nous consommons au Gabon. Ça, c'est mauvais, la famille. C'est très mauvais. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de gens qui décèdent de crises cardiaques et autres, de maladies. Beaucoup de maladies maintenant dans le pays. Des gens qui meurent beaucoup d'intoxication alimentaire parce qu'on reçoit du n'importe quoi et il n'y a pas de contrôle. J'ai hâte de voir ce Gabon nouveau là, ce Gabon nouveau. Que Dieu me fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce de voir ce Gabon nouveau. Il y a beaucoup à faire. Donc merci, merci, merci à tous pour la force. Merci. Remercions l'Éternel aussi parce qu'il est en train de nous démontrer, il est en train de faire tomber les masques. Ce que nous avons parlé à l'époque, nous n'avions pas été compris. Mais qui mieux que Dieu pour faire tomber les masques des esprits malins? Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce faux coup d'État-là aussi avait pour but de démontrer aux Gabonais qui sont les vrais défauts. Il fallait séparer l'ivraie du bon grain. Donc c'est aussi ce à quoi a servi ce faux coup d'État. C'est la raison pour laquelle Dieu aussi a permis, pour que vous puissiez voir. Parce qu'on serait rentré dans le Gabon nouveau avec des cupides, des corrompus, des personnes mal intentionnées. Donc Dieu est en train de faire le tri avant l'entrée du véritable peuple du Gabon dans le Gabon nouveau. Que Dieu vous bénisse et vous garde, la famille. Je vous aime de tout mon cœur. C'est mon Avicii, le fond du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crient vengeance, l'Europe alors du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité.